Salut à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo exceptionnelle. Incroyable. On a un invité spécial qui est très rare sur la chaîne. C'est un ami de Lily Rose, voilà. C'est l'ami mystérieux, comment tu t'appelles? Gustave. Ouais. Il a hésité. Bon, son nom de code c'est Gustave, voilà. Donc ouais. Il ne veut pas être reconnu, ouais. Parce que il a peur que vous le croisiez dans la rue. Il a peur de vous les abonnés, mais il a vrai, peur de vous. Et c'est le vrai, bon, Gustave. Voilà, c'est le vrai Gustave, ouais. C'est Gustave officiel. Oh, évidemment, il y a Lily Rose dans cette vidéo, Jérémy Peppa Pig. Parce qu'aujourd'hui, on va faire un cache-cache maudit. Là, on s'est retrouvés tous à 3h du matin. On a tous attendu qu'il soit 3h du matin. Ouais, bah moi j'ai envie de dormir. Notre maison, vous savez qu'elle est hantée, ouais. Elle est infernale, notre maison. Il se passe toujours plein de trucs. Et là, ils vont prendre le risque. Ils vont prendre le risque tous ensemble de se cacher dans le noir, dans notre maison. J'ai trop peur. D'ailleurs, on va commencer à éteindre les lumières, regardez-moi ça. Mais non, mais c'est bon, pour l'instant, il y a encore cette lumière-là. On va l'éteindre aussi. Ouais. Allez, on va l'éteindre. Le cache-cache, le cache-cache à 3h du matin va pouvoir commencer. On va compter combien de temps? 30 secondes. 30 secondes. Qui se cache? Vous avez des cachettes en tête, Gustave? Oui. Gustave il veut pas parler. Lui il veut juste gagner le cache-cache parce qu'aujourd'hui il y a un iPhone 16 à gagner. Voilà. C'est pour moi. Et oui, je l'avais pas dit. Alors regardez, il est juste là l'iPhone 16. Voilà. L'iPhone. Bah, mais il est cassé ton iPhone. Non, mais c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Ah, il est tout cassé. Il y a vraiment un iPhone à gagner pour le gagnant du cache-cache. Vous avez 5 minutes. 5 minutes? Non, non, non. Non, non, c'est pas. Non, on compte 30 secondes et ensuite on cherche pendant 5 minutes, ok? Et d'ailleurs, on va chercher avec Jérémy. Mais quoi? Tu cherches avec moi? Mais c'est quoi ce arnaque? Non, mais attends. Par contre, si on les trouve tous, c'est nous qui gagnons l'iPhone. Ah! Donc voilà, vous allez. Ah ouais, là, il va falloir, résister 5 minutes. Ok. Allez, c'est parti. Allez, tout le monde dans sa cachette là. On va gagner. On ferme la porte quand même. Oh, oui. On va pas tricher, les amis. Là, on va vraiment pas tricher. Bon, par contre, moi, je vais allumer un peu la lumière parce que j'ai vraiment peur. Tu sais que dans notre maison, il se passe vraiment des trucs, les amis. Vous voyez, avec toutes les vidéos qu'on fait en ce moment, il y a plein de problèmes chez nous, on entend des fantômes. Il y a même l'homme araignée qui vient chez nous, ça fait ultra flipper. Tu sais qu'à tout moment on retrouve personne. Non mais à tout moment, ouais, ils se font tous attaquer par les fantômes. Ah oui, d'ailleurs faut peut-être compter, allez. 30, 29, 28, 27, c'est bien, on connaît nos chiffres. 25, 38, 42, non, allez, 21, ça fait déjà 22, non? Quatre, trois, deux, un. Allez, surprise. On éteint les lumières, c'est un cache-cache dans le noir. J'espère qu'ils n'ont pas allumé les lumières en bas, parce qu'à mon avis, ils ont eu peur, ils sont en train de flipper. Bon, écoute, vas-y, toi, au pire, tu te charges déjà de l'étage. Ok. Occupe-toi de l'étage, comme ça. Vas-y, tu fais toutes les chambres. Ici, c'est sûr qu'il n'y a rien, c'est une pièce interdite. C'est une pièce interdite, parce que là, dans cette pièce-là, on n'arrête pas d'entendre... Non, c'est dans le noir, on n'arrête pas d'entendre des fantômes. Oh non, mais les lumières s'allument pas. Non, mais ils ont allumé les lumières. Regardez, quand je vous ai dit qu'ils allaient tricher, c'était sur Peppa Pink, Lily Rose. Mais regardez-moi ça. Quoi? Non, mais viens voir. J'en ai déjà trouvé un. Et où? Bah là, regarde. Mais. Bah comment vous avez fait pour me trouver? Tu prends toute la place. Non, mais Peppa Pink, bot. Déjà, alors, à mon avis, l'iPhone il va être pour nous. C'est qui va gagner l'iPhone? C'est qui? C'est nous qui allons gagner l'iPhone. Lily Rose. Lily Rose, qu'est-ce qu'il y a? Oui, non, mais tu sais pas te cacher. Bon, écoutez, comme dans chaque cache-cache qu'on fait dans notre maison, je suppose que quelqu'un s'est caché dans le trampoline. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh non, mais Lily Rose. Lily Rose. Elle est là? Mais oui, elle est là! Mais c'est quoi cette cachette? Mais si! C'est original! Dans chaque cache-cache qu'on fait, il y a quelqu'un qui se cache dans le trampoline! Ah, bon, au moins, il reste l'ami de Lily Rose, qu'on appellera Octave. Gustave. Non, Gustave, Gustave. Gustave, à ton avis, Gustave, il s'est caché où? Je sais pas. Bon, allez, vite, on y va. À mon avis, Gustave, il a fait le pari du sous-sol. Il s'est caché dans la cave. Et franchement, si c'est ça, il est très courageux. Parce que dans la cave, c'est là qu'on voit le plus de fantômes. Ouais, bon, allez. Très peur, tu penses qu'il s'est... à 3h du matin. Ouais, à 3h du matin dans la cave. Moi, j'ai... Ah, il a allumé la lumière, par contre. Mais moi, perso, j'irai pas ici à 3h du matin. Gustave. Toc, toc, toc. Gustave, es-tu dans le garage?
Jérémy, va voir dans le garage. Peppa Pink, va voir là-bas dans le studio. Nous, on va ici. Oh, pourquoi il y a une lumière rouge ici? Oula. Qu'est-ce qui se passe? Gustave. Eh oh, Gustave, t'es là? Gustave, t'es là? Attends, mais pourquoi c'est rouge comme ça? C'est trop bizarre. Bizarre, ouais. On dirait qu'il a voulu créer. Surtout qu'on l'a jamais on dirait qu'il a voulu créer une atmosphère qui fait flipper là. Eh oh. Gustave, ah, peut-être ici. Pourquoi il y a une lumière peut-être rouge ici. Gustave. T'es là? Ah, Gustave. Ça va? Gustave. L'homme araignée. Ça va? J'ai vu l'homme araignée. Quoi? Quoi? J'ai vu l'homme araignée. T'as vu l'homme araignée? C'est qui ça, l'homme araignée? Mais si, l'homme araignée. C'est quoi encore ça? Ah oui, c'est vrai. Viens. Il était où? Il était où? C'est une blague, tu l'as vu? Il a vu l'homme araignée. Tu l'as vu où? Il a vu l'homme araignée. Tu l'as vu où? Je l'ai vu là. Il était là. Quoi? Attends. Il est pas là. Il est où? Non. Non. Me parle pas. Attendez. Restez ici. Pas que l'homme araignée. Restez ici. Tout le monde rentre dans. Allez, allez là-bas. Allez tous là-bas. C'est allez tous là-bas. Vite. Allumez la lumière. Allumez toutes les lumières. Oh là 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 là, les amis, là ça va pas du tout. Bon, on arrête. On est obligé d'arrêter le cache-cache là. Bon les amis, il va falloir que je retrouve l'homme araignée. Si Gustave l'a vu, ça veut dire qu'il est dans les parages. Il y a quelqu'un ici? Il y a personne dans cette pièce. Oh, l'homme araignée est de retour. Si vous l'avez pas vu, on a déjà fait deux vidéos dessus sur Pink Lily Vidéo. C'est une malédiction qui s'est abattue sur notre maison. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Eh oh! Ah! Il est là! Il est là! Il est vraiment là! Oh non! Il est vraiment là! Quoi? Sérieux? Je perds ma clé. Il est vraiment là. Il était dans la buanderie. J'ai peur. C'est vraiment attendez, le pire. Le araignée, c'est le pire. Il était vraiment dans la buanderie. C'est quoi cette histoire? Ah non! Purée! Non, laissez-le rentrer! Dépêchez-vous, moi j'ai pas envie de. Oh non, c'est pas possible. Il est vraiment là. Non mais ça, de toute façon c'est fermé à clé, ça sert à rien. Bon, les amis, en attendant, moi je vais essayer de me cacher avec eux là. Je peux pas rester ici. Allez, allez, laissez-moi entrer. Il est là-haut. C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Moi, qu'est-ce qu'on va faire là? On est cinq. Je vais y aller. C'est pas. Je vais le combattre tout seul. Non. Un, deux. Non, n'y va pas, La dernière fois, il va on pas. Était plus fou. Il nous a griffé. Si vous attrape, il va vous mordre un peu comme une araignée, comme ça, avec ses deux crocs, et après vous allez avoir deux marques rouges. Et oh, on n'ouvre pas la porte. Non, sublime, ouvrez. Ok. Alors, Lily Rose, surtout ne te fais pas attraper. Toi, c'est vrai que tu l'as jamais vu face à toi. Ouais. Gustave. J'en ai déjà envie. Ouais, oui, bah toi, t'as eu peur. Et ça va, il t'a rien fait? Non. Il t'a pas mordu? Non. Parce que si t'as deux marques rouges comme ça sur toi, ça veut dire que tu vas attraper la maladie de l'araignée. Attention, vous. Et d'un coup, tu vas te mettre à cracher des toiles d'araignée partout. Enfin, quoi? Allez. On m'a dit ça. Attention. Non. Et attention à vos pieds. Vous avez des chaussettes? Ah oui. Moi, ça va. J'ai mes chaussures. Quoi? Risque de vous. Donc, allez. De vous piquer. Alors, c'est soit on part tous d'un coup. En courant, on retourne dans la chambre de Lily Rose, on s'enferme. Soit on reste ici. On va aller dans ma chambre. Mais c'est beaucoup trop petit, il faut qu'on aille dans ma chambre. Au moins il y a un lit. On peut dormir sur les cartons. Mais allez, vas-y, on prend. Allez, vas-y. Allez. Ah non, il m'a attrapé. Vite. Il m'a attrapé le bras. Vite, dépêchez-vous. Vite, allez, tous en haut. Allez. Tous en haut. Je suis essoufflé. Il m'a attrapé le bras. Non, mais ça va, il m'a rien attrapé. Vite, mettez-vous là-bas, ouais. Mettez-vous là-bas. Les amis, là j'ai vraiment pas de force. J'ai l'impression qu'il m'a attrapé. Vous allez bien? Ouais, ça va. Ça va? Gustave, il a très peur. Surtout, alors venez, on va tous vous. Gustave, il a vraiment peur. Il a eu peur. Ah non, il s'est caché. Ça va, Gustave? Ça va? Viens, venez, on va tous vérifier nos bras. Allez, viens. Voilà les amis, c'est ultra important, il faut qu'on vérifie tous nos bras. Des fois, si on a été mordu, il faut qu'on le sache tout de suite pour appeler les doigts de pied aussi, les doigts de pied. Ouais, les doigts de pied. Personne nous a touché là. Ça va? Montre tes bras, t'as rien. Tes doigts de pied, bon c'est bon, t'as des chaussettes aussi. Ça va. Toi, ça va?
Ouais, moi ça va, moi. Ok, c'est bon. Attends, moi je vais regarder mes bras quand même. Non, là c'est bon, j'ai rien. Ah, oh non, le... Oh non, t'as une trace. Et toi, Jérémy, Jérémy. Ah, c'est bon, j'ai... Ah non, non, non. Il revient. Non, mais nous, on a déjà été mordus, de toute façon. Oh non, ils vont tous se faire mordre. Oh, les amis. C'est plus qu'une question de temps avant que je devienne une araignée, moi aussi. Je commence à devenir une araignée. Ça va? Il est parti? Ouais, il est parti. Ah ouais. Il a eu peur, on crie. Ah oui, lui, il a déjà commencé sa transformation. Il a déjà commencé sa transformation. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là, il est en train de chasser Peppa Pink. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je fais attention, j'ai pas envie de me faire avoir. Oh là là, les amis, c'est une catastrophe. Moi, pour l'instant, ça va, je me sens à peu près bien. Bon, ça va? Ça va? Non, 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 non. Non, mais vous inquiétez pas. Moi, non, non, non. Moi, il m'avait déjà mordu l'autre jour. Et du coup, je pense que je suis immunisé. Je peux pas être malade une deuxième fois. Par contre, Jérémy, on va devoir le soigner. Bon, j'y suis... Qu'est-ce que t'as fait? Bah, je me suis caché dans les toilettes. Ils m'ont pas vu. Ok. Bon, vous allez rester ici. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un plan? Oui, bah je sais pas ce qu'on fait, mais... Bah, la dernière fois, on... Là, il faut le faire chasser, hein. Il faut le faire chasser. Il faut le chasser. On fait comment? On a pas une corde? Un plan. Non. La dernière fois, on les avait... Il faut un plan. Bah on fait quoi comme plan? Regarde. Bah, avec ça. Oui. Mon tour, il peut plus bouger. Jérémy. Non, mais tu veux prendre un tableau mais pour... Non, mais on va pas prendre un cadre pour chasser l'homme araignée. Non, écoutez, je pense qu'on va réutiliser la technique de la corde. On a utilisé ça dans une autre vidéo. Donc vas-y, prends la corde. On la tire ici et tu l'enroules de corde. Oh. Ah moi j'ai donné, regardez les amis, j'ai déjà été mordu là, je peux pas faire plus que ça. Jérémy. Allez. Jérémy. Non mais c'est pas Jérémy qu'il faut attraper, c'est l'homme araignée. Regardez, il arrive. Vite, attire-le. Vas-y, d'accord. Ça y est. D'accord, c'est bon. Allez, venez aider Peppa Pink. Venez l'aider. Crie pas, c'est pas bien. Lui aussi. Attention. Moi j'ai trop peur. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on va faire? Il peut plus bouger. C'est bon. Elle s'est fait mordre aussi. On va. Oh là là. Oh, laisse-moi tranquille. Ah non. Non. Ils sont tous contaminés. Les amis. Vous entendez, c'est la catastrophe. Ils sont tous contaminés. Ils vont tous se faire contaminer un par un. Comment on va faire? Bon, les amis, heureusement que moi je suis immunisé. Je me suis déjà fait mordre l'autre jour. Normalement, ça devrait aller. Bon, écoutez, moi je vais partir de cette maison de fou. Je vais quand même prendre les chats. Tu viens avec moi? T'es d'accord? Tu viens avec moi? Ok? On va trouver une nouvelle maison. On va trouver un hôtel. On va dormir. Et on sera très heureux. Et on aura une autre famille, d'accord? Tu veux bien? Oui, bon, allez. Bon, les amis, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Peppa Pink? T'as réussi, c'est bon? Oh non, je vais pas arrêter la vidéo tout de suite, je vais vous montrer ça quand même. On a réussi à tous les attacher apparemment. Oh là là, incroyable. Ah mais t'as été super fort et tu t'es même pas fait mordre. Ah mais ils sont tous attachés, trop bien. Montre. Bon, il faut... Bah, moi ça va, regarde. Oh, il a rien, trop bien. Ouais, regarde. Ah mais toi aussi ça va. Ah bah c'est génial. Bon, mais... Bon, les amis, on va s'arrêter ici. Ils sont en train de dormir, on va appeler le médecin pour les décontaminer. On espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout...